et des chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les pommeaux, tu voudras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge et dans le crépuscule seul l'éclat de ton nom rayonnant. Te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique. Le jour de vent souffle, le feuillage danse, te sonnant pour toi une aide magique. Qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. Pocahontas, nous approchons de mon village. C'est là que vivent tous les gens de ma famille. Tu vas faire leur connaissance. J'imagine que tu dois être profondément ému. Décidément, le territoire des Hopi est magnifique. Yeah ! Tous les gens de ton village sont réunis pour t'accueillir. Oui, ils vont sans doute organiser une grande fête. Savent-ils qu'on leur apporte un message? Ils ont certainement été avertis. Sans aucun doute, ils sont au courant de notre victoire sur le clan de l'araignée. Chaleureux. Mais qui sont ces hommes et ces femmes revêtus de costumes différents? Tu as devant toi les représentants des 11 fraternités, des groupements de paysans. Mais dis donc, pourquoi s'en vont-ils maintenant? Ils vont dans la Kiva, la chambre sacrée des Hopi, où ils vont nous attendre. Ils appartiennent aux 22 clans qui marchent sur la route rouge de la vie physique. Qu'est-ce que c'est la route rouge de la vie physique? C'est par opposition à la route bleue du monde de l'esprit. Ah oui, c'est donc ça. Est-ce qu'ils vont nous recevoir? Oui, mais il faut leur laisser le temps de préparer leur cérémonie secrète. Cette route rouge est le symbole des difficultés de la vie que nous devons tous affronter un jour ou l'autre. Je suis vraiment très intriguée. Mes amis, nous sommes invités à entrer nous aussi dans la Kiva. La fête de la victoire va donc se dérouler dans la Kiva. C'est moi qui va là. Oh, Mok, fais pas le malin. Si tu veux, c'est à peu près ça. Il faut qu'on respecte les coutumes de ces tribus.
Et qu'est-ce que ça cache, cette histoire de Kiva et de Route Rouge, hein? Tu le sais? Inutile de faire des suppositions autour de tout ça. On va le savoir puisqu'on y va tout de suite. Je suis très touchée par votre grande confiance. Ah, Pocahontas, nous t'attendions avec impatience. Oui, Pocahontas, tous les Hopis sont fiers de t'accueillir et de te recevoir dans leur kiva sacré. Pour recevoir le message du Grand Esprit, c'est bien naturel de t'accueillir dans ce lieu qui lui est consacré. Je suis confuse de l'honneur que vous me faites. Un honneur que tu mérites, princesse. Tu as vaincu le clan de la femme araignée. C'était une tâche assez facile. Oh non, la femme araignée était redoutable. Grâce à toi, elle a été terrassée. Et grâce à toi, nous qui marchions sur la route rouge, voilà que désormais la route bleue nous est ouverte. Et nous sera révélé le mystère sacré des Kachinas. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Et maintenant que nous sommes tous réunis dans cette kiva, la fête peut commencer. Assister en ce moment à la danse de l'arc-en-ciel. C'est vraiment charmant. Une très belle danse. La danse suit les formes de ce dessin. Pour nous, Navarros, après les pluies bienfaisantes, l'arc-en-ciel annonce les récoltes. Le cercle de l'arc-en-ciel est une promesse d'harmonie. Et la diversité des couleurs forme un tout. Nous autres Seneca connaissons aussi la danse de l'arc-en-ciel. Les cercles qu'elle forme représentent le cercle de la vie. C'est la danse préférée de tous les Hopis, même des enfants. C'est compréhensible. La dernière fois que nous avons célébré la danse de l'arc-en-ciel, l'un d'entre nous a fait cette prophétie. Quand le bison blanc fera son apparition dans le troupeau, sera venu le temps de la paix et de l'harmonie. Les fils des hommes blancs nous ressembleront et apprendront à respecter la terre, notre mère. Eh bien, avant que les hommes blancs nous ressemblent, les poules auront des dents. Et la terre entière nous appartiendra. Soyons sérieux, une prophétie d'un homme de notre peuple qui parle de paix sur la terre entière est une prophétie qui plaît au grand esprit. On m'a dit que par les nuits étoilées, les Hopis célébraient une cérémonie dite cérémonie Wu-Wu-Chin. Pourriez-vous nous en parler maintenant, grand chaman ? Non, demain, profitez encore de la danse de l'arc-en-ciel. Et maintenant, allez vous reposer. Quoi? C'est fini? Non, c'est demain que commencera la vraie fête. On ne peut pas clôturer de cette façon-là une fête pour les messagers du Grand Esprit. Et on fera quoi? On organisera notamment des concours entre les guerriers de toutes les tribus. Et j'imagine que vous serez content d'y participer, vous aussi. Des concours? On va enfin pouvoir bouger! Oui, moi aussi, ça me démange. Mais je vous préviens, nos guerriers sont assez forts dans tous les concours. Ils peuvent toujours y venir dans les concours, c'est moi le plus fort. La fête de la victoire sera donc une fête tout à fait extraordinaire. Grand esprit, je vous remercie de m'avoir aidé à vaincre la femme araignée et tout son clan. Oh.
vous aussi. Oiseaux du ciel, vous êtes tous témoins de ma joie. Et vous venez m'offrir un vrai balai, que c'est beau. J'adore les petits oiseaux. Ce matin, vous donnez donc une fête pour me faire plaisir. Quelle joie! Fête de la victoire commence. Tout d'abord, le concours de tir à l'arc. Pour les Sénécas. Et moi, j'ai gagné pour les Navajos. C'est raté pour les Unis. Il ne faut pas t'en faire, tu feras mieux la prochaine fois, plume sincère. Ils mettent une plus petite cible. Mais ils font aussi reculer les tireurs. Grâce à ce genre de concours, nos meilleurs tireurs s'entraînent et deviennent redoutables pour les Blancs. Les tireurs de la tribu Hopi sont parmi les meilleurs. C'est avec des tireurs comme cela que nous nous défendrons contre les envahisseurs. Il le faudra bien. Attention, l'épreuve suivante va commencer immédiatement. Mais... Tirez! Meilleur que moi. Bravo. Décidément, les Hopis nous étonneront toujours. Qu'en penses-tu, Mok? Pour moi, ce sont tous des amateurs. Alors, tu as fait exprès de perdre? Pas du tout. Les Hopis sont tous d'excellents tireurs. Si c'est toi qui le dis, ils viennent de le démontrer. Et maintenant, voici le concours du lancer de Tomahawk. Le Tomahawk. J'espère que cette fois, Mok va participer. Je vais gagner! Vas-y, Mok, pour l'honneur des Mohicans. Et pour toute l'équipe de Pocahontas! Il a raison, Pocahontas, il faut défendre l'honneur de ceux qui t'accompagnent. Mok est un sacré vantard, et je me demande s'il s'engage pas imprudemment. J'espère que non. Mok a raison, pour notre honneur, je lui souhaite de gagner. Moi, je n'en doute pas, Mok est un grand guerrier, et il l'a prouvé à maintes reprises. Et moi, je regrette d'avoir échoué. Écoutez-moi bien.
Vous devez prendre votre élan à l'intérieur de ce cercle et surtout, vous ne devez pas le dépasser quand vous lancez le tomahawk. Et bien entendu, celui-ci doit frapper le milieu du cercle blanc. Au suivant! C'est très bien. Merci. Je vous l'avais bien dit que je gagnerais. Pourquoi ce coyote tourne-t-il ainsi? C'est étrange. Je pense que c'est un animal sacré. Maintenant, voici l'épreuve du lancer de javelot. Ce coyote continue de tourner sur le terrain. Mais pourquoi fait-il ça? Mais pourquoi Pocahontas parle-t-elle d'un coyote? Je ne sais pas, moi je n'en vois pas de coyote. Vous ne le voyez pas? Il est à côté du guerrier Pima. J'ai beau m'écarquiller les yeux, je ne le vois pas. C'est étonnant, c'est un des plus habiles lanceurs. Il a raté parce que le coyote a gêné son élan. Mais oui, tu as raison. Ce doit être le coyote sacré, l'ami du cocharé, le bouffon sacré. C'est vraiment bizarre. Pourquoi tu dis ça? Non, je suis sûr que le cocharé n'est pas loin. Tiens, le voilà. Ah oui, oh, comme il est étrange. Le cocharé est un chaman dont l'animal tutélaire est le coyote et qui se sert de la nature joyeuse du coyote pour insuffler aux malades qu'il traite la joie que, dans leur stupidité, ils ne trouvent pas en eux. Je comprends, mais que viennent-ils faire ici? Il y a probablement quelqu'un qui est malade et qui doit être soigné. Et maintenant, voilà la dernière épreuve, la lutte d'homme à homme. Ah, je suis curieux de voir ça. Je parie que ce sont des demi-portions qui vont se présenter. Si tu y vas, toi, la lutte aura l'air de quelque chose. Quand tu parlais de demi-portions, tu pensais pas si bien dire. Vas-y, Mok, vas-y, tout le monde te regarde. Vous y tenez? Bon, d'accord, j'y vais. Attends! Oh! Sale bête! Attrapez-le! Attrapez ce coyote! Allez! Un peu d'huile de courge. Reviens, sale bête, lâche ça. Merci. Attention, tenez-vous prêts. Allez-y. Je savais pas que l'autre aurait de l'huile sur les jambes et que ça serait glissant. Et maintenant, la danse du maïs. Mais quelle est cette danse? Je ne la connais pas.
Et pourquoi les danseurs tiennent dans leurs mains des feuilles d'onagre? Dites-moi, grand chef, ce sont bien des guerriers Navajos qui exécutent cette danse du maïs? Oui, ce sont nos guerriers Navajos. Je n'ai jamais vu d'aussi bons danseurs, ils sont formidables! Mais les Hopis sont aussi d'excellents danseurs, c'est bien connu. Pocahontas, vous aimez cette musique traditionnelle? Oui, je l'aime beaucoup. Oh, merci. Elle est faite pour cette danse. Quand vous aurez vu nos danseurs Hopis et entendu notre musique, vous serez aussi ravis. Je ne doute pas du talent des Hopis. Mais les Navajos sont bien meilleurs en tout. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Non, je dis la vérité, vous êtes jaloux, c'est tout. Est-ce que tu peux me dire à quoi rime cette dispute? Dans le temps, ces deux tribus étaient ennemies. Ennemies? Oui, ils étaient ennemis, mais maintenant, ils sont unis comme des frères. Mais parmi les danseurs, je vois qu'il y a beaucoup de nos guerriers Hopi. Peut-être, mais la danse du maïs est à nous. Non, c'est faux. C'est nous qui la dansons depuis très longtemps. La danse du maïs nous appartient. Non, c'est nous qui vous l'avons apportée quand nous sommes arrivés ici avec les Apaches. À ce moment, les Apaches et vous étiez des nomades. Nous, nous cultivions déjà le maïs. Oubliez-vous que nous partageons les mêmes coutumes? Parce que vous êtes devenus pasteurs et artisans comme nous. Je ne comprends pas pourquoi vous vous disputez si vos peuples sont devenus alliés et frères. C'est vrai, maintenant les Navajos n'ont plus rien à voir avec les Apaches. Les Apaches ont continué leur vie nomade. Je crois donc que dans ces conditions, pour vos deux tribus, tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est vrai. Nous avons maintenant les mêmes coutumes, nous partageons la même nourriture et le même style d'habitation. Nos maisons traditionnelles, les Hogan, voisinent avec vos maisons carrées en terre et en pierre. Et ce n'est pas tout. Même les femmes de nos deux nations suivent la même mode. Regardez là-bas, ce groupe qui nous attend. Ce sont des jeunes filles Hopi et Navajos. C'est vrai, elles sont toutes habillées de la même façon. Et moi, je les trouve très élégantes. En outre, pour nous et pour les Navajos, notre religion a défini l'existence d'un monde supérieur où vivent les peuples de la Terre et d'un monde inférieur sacré où reposent les morts. Le jour, le soleil illumine le monde des vivants et la nuit, celui des morts. Pocahontas, les Indiens qui vivent dans cette région veulent vivre en paix. Ce furent d'abord les Hopi et les Navajos. Et maintenant, ce sont les Apaches et les Pueblos, les Yumas et les Zunis. Ouais. Ah, oh. Oui, c'est la volonté du Grand Esprit. Vous devez tous vivre comme des frères. Grand Esprit, je vous remercie de m'aider à accomplir ma mission. Nous sommes tous des frères. Je dois vous dire que cette grande fête m'a donné du courage et nous allons poursuivre notre chemin. Soyez remerciés. Votre hospitalité a été vraiment extraordinaire. Bientôt, nous serons tous unis en une même nation et nous suivrons l'exemple des Navajos et des Hopi. Comme eux, nous vivrons tous fraternellement, en ignorant nos anciennes rivalités. Bravo! Du Niagara, des vins des Hurons, Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les pommeaux, tu devras avec tes compagnons dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, les hopis s'envolent loin, te guidera sur ton long chemin. Lumière, tous seront témoins.